122. C'est en moyenne le nombre de personnes qui décèdent chaque année au Québec depuis 2018 dans des accidents causés par la distraction au volant. Oui, il s'agit bien d'un fléau. Grandement préoccupée, l'Association des directeurs de police du Québec rend public aujourd'hui des chiffres alarmants. Au cours des 5 dernières années, 52 % des collisions causant des décès ou des blessés ont été provoquées par un conducteur distrait. C'est énorme quand on y pense. Ce sont des collisions qui pourraient, mais surtout qui devraient être évitées. En Estrie, le taux est à 46 %, 3 % de moins que dans le centre du Québec. Quand on compare toutes les régions de la province, on constate que les pires statistiques sont dans les milieux urbains comme Montréal et Laval, alors qu'elles sont nettement moins pires en milieu rural. On imagine souvent la distraction au volant par l'utilisation seulement du cellulaire, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est tout ce qui peut détourner l'attention d'un conducteur. Et là, ça va de chef de compagnie à un enfant, à boire ton café en roulant, à manger, des soins de beauté, à se coiffer, etc. Donc, c'est très large. Ça serait plus prudent de vous stationner pour faire ça. Pour tenter de renverser la tendance, une campagne de sensibilisation nationale est lancée. Parce que quand on ouvrait le coffre à gants, il y avait des cartes de santé d'enfants. Dans cette vidéo, une policière de Granby raconte être intervenue sur un accident qui a coûté la vie à une mère de famille, un décès attribuable à la distraction. C'est ça qu'on souhaite, c'est que les gens soient concentrés sur la route parce que personne ne devrait perdre un proche, devrait perdre un membre de sa famille pour une distraction au volant. Et automobilistes, soyez avertis, à partir de ce vendredi jusqu'au 12 octobre, les policiers vont vous avoir particulièrement à l'œil. C'est l'opération nationale concertée distraction qui va avoir lieu dans l'ensemble du Québec. Mais c'est pas uniquement au cours de cette période-là que les opérations vont être réalisées. Donc, ultérieurement, il y a des opérations à l'année longue qui visent la distraction. Vous allez mettre l'emphase là-dessus. Effectivement. Le message est clair. Pour votre sécurité et celle de tout le monde, gardez les deux mains sur le volant. Jasmine Dumas, TVA Nouvelle Bromont.